Un premier mouvement crépusculaire et brumeux, celui de la sonate au clair de lune de Beethoven. Une sonate dédiée à une femme dont le compositeur était éperdument amoureux. Quoi de mieux pour démarrer ce concert? Soyez les bienvenus sur Arte Concert, sur France Musique aussi, pour ce concert 100% dédié à Beethoven que nous ouvrions avec le pianiste Pavel Kolesnikov. Concert en direct de la folle journée qui rend hommage à ce compositeur dont nous célébrons cette année le 250e anniversaire de la naissance, anniversaire qui sera fêté d'ailleurs toute l'année sur Arte. Mais ce soir, nous avions envie de vous proposer un programme de concert qui va nous offrir toute la diversité de l'œuvre de ce très grand compositeur aux idées révolutionnaires. Des sonates, nous entendrons aussi un nocturne avant, et puis comme le programme ira crescendo tout au long du concert, on écoutera aussi des extraits de concertos et de symphonies. Et pour cela, la jeune génération de solistes talentueux que nous allons découvrir sera accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Pour l'heure, je vous propose de poursuivre ce concert tout de suite avec une autre sonate pour violon et piano, cette fois la sonate numéro 5, Le Printemps, une sonate extrêmement populaire du compositeur. En voici le premier mouvement léger, printanier, et pour cela je vous parlais de ces solistes talentueux. Je vous propose d'écouter la violoniste Fanny Clamagéran et le pianiste Tanguy de Vignancourt. Thank you.
Le premier mouvement de cette sonate, Le Printemps de Beethoven, interprété ici par le pianiste Tanguy de Villancourt et Fanny Clamagéran qui vont venir me rejoindre ici en coulisses d'ici une poignée de secondes. Et on découvre cet univers solaire, lumineux, tendre aussi de ce compositeur. Fanny Clamagéran, Tanguy de Villancourt, bonsoir. Bonsoir, on peut le dire. Tanguy de Villancourt, est-ce que vous saviez que Beethoven avait tout juste votre âge, 30 ans, quand il a composé cette œuvre-là? C'est impressionnant, non, je quand même. Découvre, merci de cette information. On en découvre toujours, évidemment. Qu'est-ce qui explique peut-être la raison de la célébrité du compositeur encore aujourd'hui, selon vous, Tanguy? C'est un compositeur universel, il parle à tout le monde. C'est vrai que ces œuvres-là ont été écrites il y a plus de 200 ans et pourtant, on les comprend tout de suite. Il y a une évidence dans sa musique qui nous parle à tous et dans le monde entier. Et effectivement, on dit souvent que dans la musique de Beethoven, il y a ce message consolateur, fraternel. C'est quelque chose que vous ressentez aussi de votre point de vue d'interprète, Fanny? Je pense que c'est une musique qui est très proche de chacun et de nous, interprètes, évidemment, qui nous parle, qui nous inspire, qui nous nourrit. Il y a tout dans sa musique, et énormément d'humanité, d'émotion. Et comme tu disais, c'est universel. Et ça nous accompagne toute notre vie. Je pense que on y trouve toutes les émotions et de l'apaisement. Il y a énormément de passion aussi. Dans le printemps, c'est une des pages plus lumineuses et encore très légère. Légère. C'est vrai que c'est pas le Beethoven sombre qu'on connaît, mais même dans les œuvres sombres, je pense qu'il y a une telle profondeur que aussi on y puise énormément de choses et donc c'est un tout, c'est un génie, il était complet dans sa personnalité, je crois. Alors on parle souvent d'un compositeur révolutionnaire qui a eu des idées qui ont bouleversé du moins l'histoire de la musique. On parle souvent aussi de la place qu'il a offert aux interprètes, Tanguy de Villancourt, cet équilibre, ce dialogue qu'il est parvenu à créer entre les interprètes, qui était une nouveauté, cet équilibre-là, du moins à l'époque. Tout à fait, et dans cette sonate c'est très très évident ce dialogue entre les deux instruments. Il y a la répartition des thèmes qui est permanente entre nous deux, et c'est ça qui fait la magie de cette sonate. C'est vrai, c'est cette conversation entre le violon et le piano. Cette magnifique sonate, Le Printemps de Beethoven, dont nous venons d'écouter le premier mouvement. Alors, on a dit qu'on allait écouter des œuvres extrêmement célèbres ce soir. On va découvrir aussi, et ça, nous avions envie de vous faire découvrir un pan méconnu de son répertoire, des œuvres encore plus de jeunesse. C'est le cas de ce qui va suivre, car effectivement, si Beethoven est extrêmement célèbre aujourd'hui, c'est essentiellement pour son œuvre symphonique, ces symphonies dont on parlera tout à l'heure. S'il y a aussi ses sonates, ses trios, ses quatuors, des leaders, même. Et si on va plus loin, on trouve quelques raretés, comme l'octuor pour instrument à vent qui va suivre. C'est une œuvre, je le disais, de jeunesse. Beethoven a 22 ans quand il écrit cette œuvre-là. En résulte encore à nouveau une musique lumineuse. En voici les deux derniers mouvements. Et puis jetez un œil à cette formation particulière, ces musiciens qui vont entrer en scène. Deux oboïstes, deux clarinettistes, deux cornistes et deux bassonistes. C'est donc un extrait, deux extraits de cet octuor qui sont à suivre.
Thank you.
les deux derniers mouvements de cet octuor, plus 103 octuor, pour instrument avant, seul, vous l'avez vu à l'instant, avec cette formation pas si courante finalement sur scène, ces deux clarinettistes, ces deux oboïstes, ces deux cornistes et ces deux bassonistes, œuvre de ce tout jeune Beethoven de 22 ans. Qui, il faut le savoir, à l'époque était au service d'un prince électeur impuissant, et c'était commun à l'occasion, à l'époque du moins, d'entretenir un ensemble d'instruments avant. C'est donc une commande, et cette musique lumineuse était interprétée donc par cette série de jeunes interprètes dont nous allons accueillir deux membres à l'instant pour nous en parler, justement nous dire peut-être quelques mots sur ce compositeur, sur cette œuvre en particulier qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre en concert. Bonjour à tous les deux, Raphaël Sévère et Nicolas Balderoux. Raphaël Sévère, je crois que tout d'abord vous avez un petit mot pour nos téléspectateurs allemands. Oui, absolument. Ja, genau. Ein glückliches Beethoven-Jahr für alle unsere deutschen Betrachter. Und besonders für meine lieben Freunde aus Lübeck. Et voilà, on ne parle pas assez de cet anniversaire, du 250e anniversaire de la naissance de ce compositeur, un compositeur, Nicolas Balderoux, fascinant. Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous stimule chez ce compositeur-là? C'est un compositeur tellement protéiforme, il a eu plusieurs périodes dans sa vie. Et nous, avec les instruments avant, on a plutôt le jeune Beethoven, de Beethoven qui est encore la coqueluche viennoise, qui est un compositeur pas de cours, mais en tout cas très à la mode, et qui est un compositeur qui rayonne et qui est absolument invité partout. Et donc toute cette période a été très très riche en œuvres pour clarinette, dont ces grands ensembles avant, dont on a entendu un extrait de l'octuor. À l'instant, effectivement. Il y a aussi, avec ces octuors pour vent seul, des œuvres qui mêlent instruments avant et cordes. Et de mon autre côté, il y a Lia Petrova, violoniste, qui a joué encore hier ses septuors, évidemment. Un petit mot tout d'abord sur ce rapport personnel que vous, en tant que violoniste, vous entretenez avec Beethoven. Déjà, Beethoven, c'est mon compositeur préféré. Du coup, ça tombe bien pour ça cette année. Ça tombe pas mal, hein ? Exactement. Et en plus, je trouve que quand on joue Beethoven, on a un accès à un monde particulier, un monde supérieur de compréhension de l'humanité, de l'univers. C'est un compositeur qui fait grandir. C'est sûr, et je pense qu'il y a une clé très importante pour entrer dans ce monde, c'est la humilité. Je pense que plus on est humble, plus c'est facile d'accéder, autant que musicien, mais même autant que spectateur. Du coup, je suis contente de pouvoir toucher à ce monde de temps en temps. Et pourtant, les partitions sont d'une redoutable exigence du point de vue technique, et ça, on va en parler. Tout à l'heure, Lia Petrova, vous interpréterez un extrait, le final du concerto, l'unique concerto pour violon du compositeur. Et par rapport à cette image, peut-être qu'on peut avoir de Beethoven, d'un compositeur plus sombre, plus tourmenté, là, on est dans une toute autre ambiance, beaucoup plus joyeuse. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, déjà, autant que violoniste, c'est la Bible de violon. Ce concerto, mais surtout, oui, c'est vrai, c'est un concerto qui donne un peu de l'espoir, je trouve. Pour moi, c'est ça, c'est l'espoir pour l'humanité, et je suis toujours dans un mode très particulier quand je le joue. Et effectivement, ce concerto a été écrit pour un très grand violoniste virtuose de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que Beethoven a dépassé des frontières en termes d'écriture? Est-ce que c'est si difficile que cela? Il est sûrement dépassé les frontières déjà à l'époque, mais ça reste aujourd'hui toujours un truc vraiment difficile pour tous les violonistes, même les plus grands. Du coup, ça veut dire que c'est éternel. Alors, mis à part ce fameux concerto pour violon qu'on écoutera tout à l'heure, si vous aviez une œuvre coup de cœur à nous suggérer, Lia Petrova, peut-être à nos téléspectateurs, à nos auditeurs qui ne connaissent pas bien l'œuvre, qui se sentent peut-être un peu perdus, quelle serait-elle? Coup de cœur, peut-être l'enregistrement de Lisa Batiashvili. J'adore quand elle joue ça. Et c'est vrai que c'est une extraordinaire violoniste aussi, mais j'adore. Peut-être une autre œuvre? Ah, une autre œuvre? Mais pourquoi pas toutes les symphonies de Beethoven? Mais voilà, faisons-le, toutes les symphonies. Par nom court, d'ailleurs. Et ça tombe bien, Lia Petrova, parce que nous allons continuer ce concert avec l'arrivée de l'orchestre. Je vous avais prévenu que ce concert irait crescendo, du moins le programme. On va poursuivre avec un concerto pour piano, car il faut le savoir que Beethoven était évidemment un grand compositeur, mais c'était aussi un virtuose, un pianiste virtuose.
ses œuvres pour piano en témoignent de cette difficulté justement d'exécution. On va entendre ici l'un de ses 5 concertos pour piano, le 4e qui est sans doute le plus intime, le plus personnel. Et puis ce qui est fascinant avec cette œuvre, et vous allez l'entendre dans un instant, c'est que c'est une exception dans l'histoire de la musique, dans son sens où le soliste commence à jouer seul. L'orchestre se tait dans les premières mesures. C'est pourquoi il fait rêver nombre de pianistes, c'est pourquoi il peut les faire trembler aussi. Et Alexandre Kantorov, qui est le soliste que nous allons attendre un instant, j'espère, nous en parlera, m'en parlera au micro juste à l'issue de sa prestation. Ce concerto est aussi l'occasion, et vous le voyez, d'accueillir sur scène l'orchestre philharmonique de Radio France qui fait sa première visite ici à la Folle Journée pour ce concert en direct sur Arte et puis sur France Musique aussi. Alexandre Kantorov qui entre sur scène, il a 22 ans, il a remporté il y a peu le concours Tchaïkovski. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Et puis la chef aussi qui rejoint l'orchestre, Xian Zhang. Laissons Alexandre Kantorov se concentrer. Thank you.
Mais comment résister à tant de beauté, je vous le demande. Le premier mouvement de ce quatrième concerto pour piano de Beethoven. Et puis quelle maturité chez ce jeune pianiste Alexandre Kantorov qui va venir me rejoindre d'ici une poignée de secondes pour cette œuvre redoutable, difficile à jouer, pour laquelle le soliste doit beaucoup porter, puisque je vous le disais, il joue à bien des moments seul, alors que l'orchestre se tait à ses côtés. Ici, l'orchestre philharmonique de Radio France, bien sûr, sur scène, en direct de la folle journée, avec cette chef chinoise, Xian Zhang, qui dirigeait ce magnifique concerto composé il y a un peu plus de 2 siècles, alors que Beethoven avait 36 ans. Alexandre Kantorov, on vous cueille à la sortie d'un mouvement pareil qui élève l'interprète tout autant que l'auditeur, téléspectateur. Pas l'impression de flotter encore. J'imagine. Pas vraiment redescendu, mais bon. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ? Est-ce impressionnant de commencer à nu alors que l'orchestre se tait ? Est-ce que c'est plus difficile peut-être pour un soliste ? Je ne sais pas si c'est forcément plus difficile. Je pense qu'il y a une ambiance spéciale à créer, et c'est vrai que là on est les seuls à pouvoir le faire à ce moment-là, et je pense que surtout aussi c'est particulièrement en plus par rapport à ce concerto qui a, on va dire, une sorte d'aura autour de lui qui est assez spéciale, une sorte de, justement un peu comme si au début on pose une question, on prie une prière vraiment intime, et soudain il y a de nulle part, en fait il y a une sorte d'autre voix qui nous répond, donc il y a vraiment quelque chose de particulier, je pense que c'est plus par rapport à ce début de ce concerto. Tout à fait particulier, et on en parlait. On disait aussi, hein, Beethoven était un grand compositeur, c'était aussi un immense pianiste. Donnez-nous peut-être quelques clés, à quel point on peut constater justement que ça s'est révélé, ça, cet atout-là dans son écriture. Ah, dans son écriture, en particulier là pour ce concerto, c'est une écriture extrêmement improvisée, c'est-à-dire que en plus on a des lettres où à ce moment-là de la vie, il voulait écrire comme il jouait du piano, c'est-à-dire qu'il pouvait improviser pendant une heure et il pouvait faire absolument n'importe quelle variation, il pouvait enchaîner tout ce qu'on voulait un peu au piano. Donc il y a cette écriture un peu, on a très peu de thèmes en fait au début, à part le tout début, tout ce qu'on fait c'est de la variation, si on joue par-dessus le thème de l'orchestre et on brode, et c'est probablement quelque chose qui, peut-être pas à ce point-là précisément, mais il aurait pu composer ça sur place en fait, sur le moment je pense. Tout simplement. Peut-être pour ce compositeur extrêmement talentueux. Merci beaucoup, Alexandre Kantorov, d'être venu nous dire quelques mots. Oh, et bravo, évidemment. On va poursuivre avec l'orchestre seul, à présent, avec le Beethoven symphonique qu'on aime tant. 9 symphonies au total, sommet de son répertoire, évidemment. Quand j'entends quelque chose en moi, c'est toujours le grand orchestre. Ça, ce sont les propres mots de Beethoven. Ici, nous allons entendre le 2e mouvement de sa 7e symphonie, l'un de mes mouvements préféré de symphonie, je ne vous le cache pas. On va écouter l'orchestre philharmonique de Radio France, bien sûr, toujours dirigé par Xian Zhang. Écoutez cette marche qui avance peu à peu, laissez-vous emporter. Thank you.
Un miracle de la musique moderne, ça ce sont les mots d'Hector Berlioz à propos de cette 7e symphonie de Beethoven dont nous écoutions le 2e mouvement qui était un énorme succès au moment de la création de cette œuvre, de la première audition. Les spectateurs ont demandé à ce que ce 2e mouvement-là soit bissé, c'est vous dire le succès. On va poursuivre ce concert avec une autre perle du répertoire de Beethoven, l'unique concerto pour violon de son œuvre. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec la violoniste Lia Petrova qui en est la soliste, violoniste d'origine bulgare qui a commencé à jouer de son instrument à l'âge de 4 ans. Elle va nous interpréter ici cette partition redoutable. Il faut le dire, Beethoven avait composé ce concerto pour un violoniste virtuose viennois, un de ses grands amis. Et vous allez le voir, le soliste insiste beaucoup sur le registre extrême aigu de son instrument, ce qui demande beaucoup de dextérité, d'agilité de sa part évidemment. Lia Petrova va nous interpréter le final de cet unique concerto pour violon du compositeur, une longue danse paysanne que vous allez très certainement reconnaître tant elle est populaire. C'est très joyeux, c'est très entraînant, mais il y a aussi quelques mesures plutôt mélancoliques. Je vous propose de retrouver Lia Petrova et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Thank you.
La magnifique violoniste Lia Petrova ici en soliste de ce final de l'unique concerto pour violon de Beethoven, œuvre extraordinaire. Comment rester insensible évidemment à cette œuvre éclatante qui va, et c'est Lia Petrova qui me le disait au micro, à l'encontre de cette image parfois plus sombre, tourmentée que l'on peut avoir du compositeur, ce génie au destin tragique puisqu'il a souffert de surdité dès l'âge de 30 ans. Ça ne l'a pas empêché de rester ouvert au monde. Et puis de continuer encore aujourd'hui avec son catalogue, d'inspirer les esprits créateurs et puis les musiciens et puis les directeurs de festivals. René Martin, vous êtes directeur de la Folle Journée. Si vous aviez une œuvre, je sais que la question est difficile, à pointer dans l'entièreté du catalogue de ce compositeur extraordinaire, quelle serait-elle ? Eh bien, dans la Folle Journée, on a donné avec le chœur Haydès, Symphonie à Varsovia, sous la direction de Mathieu Romano, la cantate sur la mort de l'empereur Joseph II. Peu connue. Peu connue, oui, qui est une œuvre absolument magnifique et beaucoup de pièces peu connues pour chœur et orchestre de Beethoven. Et surtout, à la fin du concert, Mathieu Romano a fait chanter les musiciens et le chœur, une transcription d'une sonate pour piano de Beethoven. Mais vous savez que c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est qu'Arte a enregistré ce concert et que vous pouvez évidemment revoir ces images sur arte.tv. On va continuer et terminer d'ailleurs tout doucement ce concert en restant avec l'orchestre philharmonique de Radio France et Qian Jiang, et terminer en apothéose. On va rester avec cette 7e symphonie et en écouter, eh bien, le dernier mouvement.
La chef Xian Zhang, très souriante et qui insuffle toute son énergie à l'Orchestre Philharmonique de la Radio de France dans le final de la 7e symphonie qui vient clôturer ce concert que j'avais le plaisir de vous présenter en direct depuis la folle journée de Nantes, concert 100% Beethoven. À l'occasion de ce 250e anniversaire de la naissance que nous célébrons en 2020. Un anniversaire qui, je vous le rappelle, sera célébré, fêté tout au long de l'année sur arte.tv. Vous pourrez découvrir bien sûr d'autres concerts live, des archives mythiques, des documentaires inédits. Retrouvez donc tout cela sur arte.tv bien sûr. Et puis Beethoven avec lequel nous allons refermer et terminer cette soirée en musique, bien sûr avec un bis de l'orchestre dans une poignée de secondes. Le temps pour moi, eh bien évidemment, de vous souhaiter une très belle soirée sur Arte, de vous dire à très très bientôt, de vous dire qu'on va retrouver en bis évidemment Beethoven encore toujours et puis pour toujours. Hein. Joyeux anniversaire Beethoven, et je vous laisse en compagnie des musiciens. Tchuss, à très bientôt.